Alors, j'ai fait le tuto zéro. Moi, je ne connais pas. Moi, j'ai fait juste le tuto, mais je crois, j'ai pas eu l'impression qu'il m'apprenait grand chose. Automatique. Là, on peut sélectionner en fait les persos parce qu'il y aura des espèces de cubes à ramasser, des cubes orange, et c'est du ki. Et ça permet de charger un personnage, une ulti en fait, que tu vas débloquer, qui invoque un personnage de DBZ pour te défendre contre le gros méchant. Par exemple, Majin Buu, voilà, t'as Krillin, Piccolo. Ah, une sacrée bande de loupards. Ah, quand la même... gueule de ton perso. Ah ouais, putain, on dirait Monsieur Propre. C'est voulu c'est ou pas moi. C'est lequel, tiens, en fait, c'est qui ? Ah oui, c'est toi, d'accord. C'est celui qui est mort à l'intérieur. C'est le One Punch Man des enfers, là. C'est le... Ok, d'accord, très bien. Ah, je suis apparu avec quelqu'un, mais je sais pas qui c'est. Ah, mais je suis avec des randoms aussi. Attends, parce que j'ai pas vu le look de Karim, donc je sais pas à quoi il ressemble. Moi, à quoi je suis en slip. Karim, je suis en slip et j'ai un petit book. Ah, donc là, comme un Battle Royale, il faut looter un maximum de trucs au début, genre le dragon. D'accord. Dragon d'accord. Radar qui permet de trouver du ki. Il y a des dégâts chutes. Comme ça. Je ne crois pas. Je crois pas qu'il y ait de dégâts chutes. Putain, mais il loot tout ce que je. Non, mais il loot tout là, Poco. Si vous tendez les oreilles. Ouais, voilà, voilà, les mecs qui ont déjà joué, ils vont looter comme des porcs. Si vous tendez les oreilles, vous entendrez des survivants pleurnicher. Et en fait, ils sont cachés dans des grottes. Et si vous les sauvez, vous récupérez du ki. Ce qui va remplir d'accord. Votre jauge en bas à gauche et qui vous débloquera un perso pour vous défendre. Ah, d'accord, il y a une petite dimension Battle Royale, genre en lootant. Ouais. Mais j'ai l'impression. Et surtout que quand t'es un méchant, tu vois, Selbou ou Freezer, tu peux péter une zone. Parce que si vous appuyez sur la map. Attends, c'est le bouton start. Ouais, ouais, vous voyez, la map, elle est découpée en plusieurs parties. A, B, C, D, E. Comment on se cache? Ok, je capte. Ah, j'ai laqué la zone. Et voilà, donc je t'explique. Tu peux. Le boss peut péter une zone. Le boss peut quoi? Il peut péter un morceau du continent. Et tu peux plus y avoir d'accord. Accès. D'accord. Moi, j'ai trouvé la clé de la zone, mais je sais pas où est-ce que je dois la. Ah, c'est là-bas, c'est là-bas. Moi, j'ai je suis en zone C. Qu'est-ce que je fais? Où sont les tortues ninja? Je suis en zone C, et oui, celle est en. Attends, c'est Cell, ouais, voilà. Cell, pas Seb. Seb, c'est toi. Oui, exactement, je confondais. Il y a un truc dans le regard qui. Et du coup, eh ben, il est dans la zone D. La réponse pourquoi D. Pourquoi ça tremble? Ah, mais il va faire péter la zone, c'est ça. D'accord, donc faut partir. Exactement, vous avez. Attends. Ah mon dieu! Les gars, vous voulez pas qu'on se regroupe comme ça on joue à 3 là? Parce que. Ouais, mais je suis chaud, ouais, moi j'ai ouais, mais là j'ai ça va super vite. Regarde, appuyez sur Sart, regardez, la zone A est détruite. Ça il ouais, a pété la zone A. Ah, il y a une carte. Oh, moi je suis en zone C. Et à gauche, vous avez une espèce de boule ninja pour mettre de la fumée et vous casser. Ah ouais, boule ninja! Oui. Y'a le méchant qui m'a trouvé! Boule ninja! Ouais, d'accord! Ah, je le vois, je le vois. Comment je fais pour pas mourir? Le faisceau jaune, en plus je l'ai vu, je suis con, je suis pas allé dessus. Ah là là, j'ai celle sur le fion! Ah là là! C'est toi, Topinambouru? Ouais. Quel nom de merde. Mais il est trop bien, arrête. Très bien. Non, très bon. Majin Buu, sérieux. Ouais, grave. Alors que moi, je suis saoul. Je m'appelle Majin Buu. Ah, mais moi, je suis en train de me faire buter par un porcel, voilà. Ah, il est pas en forme de. Est-ce que vous pouvez me sauver? Je suis à terre. Je suis pas loin de toi, Majin Buu. Mais oui, mais je sais, je sais, mais comment je suis en zone C. J'ai du mutagène. Est-ce que ça compte? Ça compte dans les Tortues Ninja. Ça compte si tu vas dans un autre dessin animé. Attends. Ah, par contre, voilà, tu peux me raise. Je te vois. Si tu viens pas me chercher, c'est que tu as décidé. Non, j'arrive. Laisser mourir. Oh yes! J'ai une super moto de ouf! Est-ce que t'as la clé? Parce qu'on est dans la zone C. Si t'as la clé C, on peut l'activer. Si tu vois, c'est le faisceau jaune qui est à droite. Comment j'ai non. Quelle clé j'ai? Parce que j'ai une clé, mais je ne sais pas laquelle. Ah, je crois qu'il arrive. Oh, que. Il est en train d'effoncer quelqu'un à côté. Ah ouais. Moi, je suis en train de repousser des limites de soi. C'est bon. Pendant que vous... Tu es yes, Cimer. Et où est-ce qu'on va? Bon, je te suis. Ah, attends, ok, c'est bon, je vois un truc. Qu'est-ce jaune. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc jaune? Attends, on peut l'aider à mettre la clé de puissance. C'est là où on met les clés, en fait. J'arrive. Tut. Ah bah non. Ah bah voilà, formidable, on a mis la clé. Ok. Tu peux monter ou pas? Non, il y a qu'un seul siège. Très mal pensé, cette petite. Seb, c'est quoi les trucs bleus que j'ai à la main là? Mes bouteilles d'évian là? Qu'est-ce que je ne sais plus à quoi. Je crois que c'est de l'armure, mais je suis pas sûr. Alors moi, j'ai trouvé des boules de cristal. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Je crois que dans le lore de Dragon Ball Z, c'est quelque chose d'important. Je crois que dans le lore de Dragon Ball, ça sert à quelque chose. Je suis pas sûr, mais faut vérifier. Attends, mon cœur bat, ça veut dire que Cell est pas trop loin. Oui, il est là. Il est là où il y a la clé jaune. Puissance de transformation. Pourquoi tout est violet? Qu'est-ce qui se passe? J'ai mon cœur qui bat. Mon kokoro. Peut-être que t'es en train de tomber amoureux. Si tout devient rose et que t'as ton cœur qui bat, je crois qu'il y a celle qui. Si c'est ta première fois, c'est bizarre, c'est normal. Ah! N'aie pas peur de tes sentiments. Demande-lui. Non! Un cinéma, ça se fait. Vite! Il me suce! Attends, j'arrive, j'ai un bazooka! Ah, il m'a vu ou pas? Ah oui, il m'a vu, merde! Je voulais te sauver, il va me sucer aussi! Ça veut dire que je suis pas loin! Putain!
Ah, il va m'absorber aussi. Oh là 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 là. Ah, il y a Magic Bull. Il y a Poco qui me raise. Ouais, je vais essayer de l'aider. Voilà. Ah, ils sont à deux en train de me raise. C'est moi le 2. Voilà. Merci. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Tout le plaisir est pour moi. Maintenant, tu te démerdes. Ah, il est en train de tuer la zone. Ah non. Oui, mais il tue la zone, bien sûr qu'il tue la zone. Non, non. Est-ce que vous allez crever avec ou pas, ou c'est trop tard? Non, je sais pas où je dois aller. Il faut activer toutes les clés pour faire apparaître comment la machine. Comment j'appelle Krillin? Je sais que ça fait. L'interface est vraiment pas claire, me dit-on. Oui, c'est vrai. Ah non, je me suis pris un coup de sel. Ah d'accord, non, moche. Ok, d'accord. Pour activer la super machine temporelle, il faut pianoter au clavier. Ah mais je biboupe là. Là, je biboupe. Du coup, ouf. En fait, les clés t'aident à avoir des bonus de vitesse. Là, il va nous fumer. Du coup, il va nous fumer de ouf. Mais j'ai pas peur. Je continue à pianoter. Je pianote. Il va nous défoncer. Ouais, là, il me défonce. Ah ouais, carrément. Je suis au sol, direct, un one shot. Ouais, ouais. Non, ouais, ils sont vénères. J'adore les mecs qui courent pianoter sur un clavier d'ordi alors que c'est le merdier. T'appuies sur RB pour te transformer. Je suis dans les derniers vivants alors que j'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. C'est vrai que tout le monde est hors jeu. Enfin, j'espère que la fin de la partie va pas dépendre de moi. Hein. Quel bâtard. Mais il y a plus que toi, je crois. Non, mais qu'est-ce que... Non mais y'a que toi, hein. Tout le monde est en train, nous on est tous en train de crever. Toi t'es KO au sol, non t'es presque mort je crois. Ouais là t'es décédé, là, ok. Donc on est 3 morts, il en reste... Bah y'a moi, mais reste... je sais pas ce que... je ne sais pas où j'existe. Ok non, il en reste 3, il y en a 2 qui sont KO au sol. Ah je peux voir, ok. Qu'est-ce que c'est ça? Je te vois Majin Bull. Y'a voilà, appelé la machine pianote. Temporelle. Je oui, sais t'as pas raison, ce que c'est. Appelle les machines temporelles. J'appelle une machine temporelle. Ah mais il reste que toi de debout, voilà. J'ai une machine temporelle, qu'est-ce que je fais? Je m'enfuis. Moi je serais toi, je me barrerais. Ouais, il y a marqué fuite, bah je fuis. Hein. Ah, tu peux te barrer en solo. Tu as pu prendre la fuite. Oh, j'ai fui. Ah, voilà, bien joué la lâcheté. Et le dernier qui est là. C'est fini. Ah bah c'était. Le mec il s'est enfui, putain, mais. Bien joué, Cell. Mais je suis Trunks, je vais remonter dans le passé pour sauver l'humanité, t'inquiète. Ouais, t'inquiète, j'arrive, ouais. Bisous. Mais t'as pas noté les coordonnées. Il a même pas eu besoin de faire un perfect Cell, quoi. C'est vraiment juste la vieille transformation avec laquelle il tape C16. C'est la honte de ouf. Bon, vous voyez déjà à peu près le truc. Franchement, je pense que c'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai jamais joué. Mais là, on s'est pas joué, donc c'est le bordel. Mais quand tu t'es focus un peu sur les objectifs, sur ce qu'il faut ramasser, c'est beaucoup mieux. C'est juste, j'aimerais savoir ce que font les boutons. Déjà. Je vends le jeu alors que c'est même pas une OP. Non. Objectif. Ouais, j'ai même pas. Je voulais tirer au bazooka à un moment quand il était en train de te sucer, mais j'ai pas réussi à trouver. Non, il a sucé trop vite. Désolé, mec. Ça, c'était pas mal. Ah, mais. Avec sa grosse queue. Ah, ouais, il y a des Gohan Blanco, ok. Et là, c'est Freezer. Je suis le seul qui ressemble à un pouchtre, quoi. Oui, c'est dégueulasse. Qui s'est perdu, ouais, effectivement. Il y en a un, il est dans un groupe de New Metal en 90. En même temps, j'ai la tête du mec qui s'enfuit. Hein. Non, t'as la tête du mec où on apprend à la fin que c'était pas un être humain. T'es hyper chelou. C'est ça, c'est le body snatcher. Ah, c'est cool, c'est Freezer. J'ai jamais joué avec Freezer. Ça peut être très sympa. Il y a un bazooka doré, super. On est dans World Fortnite, ce qu'on aime. Waouh, le méchant, il est pas loin déjà. Le méchant, il est vraiment pas loin. En plus, c'est Freezer. Première à quoi forme sert l'argent pas de manière métaphorique, dans le jeu. Ouais, dans le jeu. Il y a des distributeurs de flingues dans des maisons. Une prise de conscience. Dans cette société un peu déshumanisée. Ah, j'ai trouvé Dende. Enfin, ou un autre qui lui ressemble. Il est trop mignon, c'est un de mes personnages préférés. Alors, vous êtes dans quelle zone? Moi, je suis dans la zone A. Moi, je suis dans la zone X. Je suis dans la zone D. J'arrive dans la zone A, je viens te rejoindre. Ah, je vois où doit être posée la clé. Je ne vois pas de clé. Alors, imaginons là que j'ai assez de quoi invoquer un allié. Comment je fais? C'est RB. Ok. RB. C'est marqué à côté du truc normalement, je crois. RB. Ah, il y a un Namek. Okay. Ah, c'est des Namek que tu sauves. Ah, c'est trop bien. Je m'extasie pour un rien, moi, c'est fou. Je trouve des cubes. Qu'est-ce qu'il fait sur Terre? C'est pas leur planète. Hein. Mais récupère-en un maximum du cuir. Comme ça, tu peux avoir les meilleures transformations. Vous avez la question à deux secondes? Moi, je ne ramasse rien. Voilà, les phases de loot. Moi, de toute façon, j'ai toujours raté les phases de loot dans ce genre de jeu. À chaque fois, c'est tout le monde qui prend des trucs et moi, je les regarde prendre des trucs et je suis triste. Je trouve un gros Namek obèse. Ouah! Il a cassé la maison! Non! Waouh, carrément, putain, il casse son micro tellement il crie. Et il fait un AVC, Krillin, voilà. Krillin, je crois qu'il bave. Puissance de transformation. Ah non, mais Krillin, il est nul à chier. Attendez, où est-ce qu'on trouve de scooters là? Parce que moi, j'ai acheté un dinosaure. Moi, j'en ai plein là. Si tu veux des scooters, il y en a plein autour de moi là. Krillin, il est nul à chier. Sauve-le, voilà, t'auras du ki. Est-ce que je peux te le voler comme un sale dès que t'as fini? Non. Et oui. Tu ne peux pas. Ah, oh, connard. T'en as deux, mais là, prends-les, mais tu t'en vas. Regarde, c'est ces cubes là. D'accord, c'est ça le ki. Oui, oui. Je suis décédé. Ils ont des gros hélices. Surtout, n'hésitez pas à me raise. Surtout.
c'est... Prenez votre temps. Ah, t'es à terre, ok, ouais, je ne savais prenez, pas. T'inquiète. Tout va bien. Oublie pas, Karim, on peut utiliser, ouais, t'as le scooter, mais t'as aussi le trampoline. T'as... Pourquoi des gens volent? Pourquoi moi je vole pas? Les gens ne volent pas. Si, si, je vois Yugui, il vole. Non, il saute peut-être en utilisant. Non, non, il vole. Je sais différencier, c'est sauter et voler quand même. Sauter et voler, tu vois bien la différence. Il y a Fred qui va crever, là, faut vite le sauver. Il reste pas beaucoup. 13, 12. Tout le monde s'en fout. Oh là là, là. Ah, putain, attends, il m'a tiré dessus, c'est pour ça que je me suis transformé en crinin de suite. Oh là 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 là. Vas-y, bam. Il nous suit, Lisa. Crinin. Finito. Bam 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 bim. Bam bam bam, je comprends rien. Bam bam boum. Comment je tire au bazooka? Ah là 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 là. Mais je crois que Fred il est died. Ah oui, oui. Oui, non, mais je suis Il est complètement dead. Il est complètement dead. Personne n'est venu le sauver. Oh là là. Il va péter la zone. Il faut se tirer. Oui, il va péter la zone de ouf. Au secours. Non, je suis presque. Je suis tombé. Au secours. Oui, c'est bon. Ça passe ou pas? Ça passe. Je suis avec toi. Passé. Ouais, on est parti. On est passé à la limite. Il m'a vu. Il m'a tiré dessus aussi. Donc bon, la passion. Il m'a fait son truc avec son doigt là. Senzu. Non! Je peux ramper. Ah, j'ai perdu mon bazooka. C'est très compliqué là. Non! Oh putain, il me défonce. Il me Dark Vador la gueule. Ouais, je te vois, t'es en train de voler comme dans Stranger Things. Tu es devenu de la petite poussière d'étoile. Extrêmement triste. C'est pas grave, je vais regarder la partie de Tampinam Bolu. Il m'a buté ou pas? Ah putain. Ah non. Mais il vient de me buter aussi, mais il m'avait foutu au sol juste avant toi. Eh, c'est sympa cette partie là. C'est la fin pour moi, ouais, je crois que c'est la fin pour tout le monde. Est-ce qu'on abandonne, est-ce qu'on se casse, qu'on est sale? Ah, tu es ce genre de personne? Je pense que je vais juste rester sur ton point de vue et regarder les gens qui vont passer à côté de ton cadavre sans te relever. Ouais, ça peut être cool effectivement. C'est ça que je veux voir. Ah, ils sont loin. Bah alors attends, puisqu'il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un qui vient. Mais regardez, il vole. Pourquoi il vole? Ah, il te défébrilise. Mais c'est long. Si, c'est le raise. C'est long. T'inquiète, c'est long de défébriliser. Tu fais un pouce à la Goku, merci mec. Pendant des heures à côté de toi. Non, clear. Ah, et du coup, je vois que les gens, ils ont des Dragon Ball. Et quand t'as des Dragon Ball, ça fait quoi? Je sais plus, mais ça fait des trucs, ouais, effectivement. Effectivement. Dans le manga, Dragon Ball, ça semble logique. Faites le tuto, s'il vous plaît, on nous dit, mais on l'a fait. Mais il apprend rien, le tuto. Il nous apprend rien. Oui, sauf Fred. Fred l'a pas fait. Moi, je l'ai pas fait, mais j'en suis au même stade que toi. Donc finalement. Mais il nous apprend un ou deux trucs quoi, alors que c'est vachement plus compliqué le vrai jeu. Et encore, on a même pas joué. Non, les méchants. Putain. Ah. Mais... Eh ben voilà, ça a été bien de te voir te relever pour ça quoi. Oh là là, Stranger Things. Oh là. Mettez-moi du quai de bouche. Oh, putain, sa gueule. Vas-y, moi je déclare forfait là. On dégage, on part, vas-y. Allez, on déclare forfait. Allez, on est des merdes. Donc première partie la fuite, deuxième forfait. mais la fuite, c'est une réussite ou c'est pas une réussite? D'un point de vue purement strictement personnel, c'est rare, j'ai envie de dire les que jeux c'est quand même aussi, de mon point de vue, vous êtes morts, pas moi. Il y a aussi un sac à dos avec l'insecte de chez Maître Caillou, vous vous rappelez, de son prénom. C'est un quiz, hein. Moi je ne savais pas, mais c'est marqué dessus en plus. J'en ai aucune idée. Grégory. D'accord, Grégory l'insecte. Bien sûr. Dédicace à tous les Grégory qui ont un nom d'insecte dans le chat. C'est le petit Grégory, il est pas très bon. Moi aussi, ils ont fait la blague, bien sûr, hein. C'est cadeau. Ça, je vais me prendre un petit crop top là. Allez. On peut jouer, moi j'ai un bon look, j'ai un bon style. Tout est assorti. On me dit que j'ai un style de perso secondaire de Radmain 1/2. C'est pas du tout un compliment, ça. C'est vrai que la moustache à Vegeta, ça aurait été bien stylé, quoi. J'avoue, pourquoi ils ont pas pensé? Ils sont foiliés. Ouais, il faut retarder la sortie du jeu, là, je crois. Oh putain, c'est génial. Quand je suis en mode Piccolo, avec les gros yeux, c'est trop bien. Ah oui, c'est vrai que c'est une fusion un peu de Piccolo et de ton perso, ouais. Donc ça va être... il doit être spécial, le tien, ouais. Et par contre, il y a vraiment aucune différence entre Krillin et Goku. Ouais. Chez moi. Tu peux acheter un porte-clé ou un sac à dos avec Gilu de Dragon Ball GT. Hein. Excellent, c'est vraiment le meilleur personnage. Ouais, ouais. Moi aussi, j'adore le moment où il fait c'est ça. Ouais, j'ai c'est été au fan club pendant très longtemps. Je vais voir le doubleur à chaque fois qu'il passe. En commençant, je lui demande des imitations. C'est un SDF complètement sous. Et du coup, je suis le cochon. Et ben moi, je crois que je suis complètement sel, les amis. Ah ouais, t'es le méchant. Oh, c'est cool. Alors du coup, par contre, je connais pas du tout le gameplay. Tant mieux, on va peut-être gagner comme ça. Ah là, il y a moyen là. Ouais, je connais rien du tout. Je sais pas comment il se joue du tout. Je crois que c'est plutôt simple. Je crois que c'est faut que tu nous retrouves et que. D'accord. Tu tabasses la gueule. On va aller sur cette base. Faut que je vous retrouve et que je vous tabasse la gueule. Mais non, mais attends, je vais évoluer. Donc pour évoluer, il faut bien. Ouais, mais je pense que tu auras les touches inscrites à l'écran. Hein. Je pense que ça sera simple. Ah, je suis à côté de toi. C'est moi qui fais comprendre. T'as pris au long, d'accord. Je vais faire tout le stream comme ça. Je suis portable. Alors par contre, c'est hyper chouette de jouer Cell Larve, mais j'espère que je vais vite évoluer parce que c'est pas ouf. Il est énorme ce cochon. Big. C'est. Oui. Moi, je suis en train de me balader dans l'antre du fun, hein. Vraiment,
me balader en larve comme ça, c'est vraiment, c'est excitant quoi. Alors j'ai une Dragon Ball, mais je sais pas ce que je fais avec. Ah j'en ai deux. Si tu veux, on peut partir à la quête des Dragon Ball, ça peut être cool. J'aurais dû prendre Bulma. C'est original. Mais oui, de ouf. Putain, mais y a personne. Ah, c'est cool, parce que tu sens que le méchant il galère, il a tué personne jusqu'à présent. Ah bah c'est une larve en même temps. Hein. Je suis une larve. Clairement, ah il est pas loin. Il va essayer de me manger, c'est pour ça que je me casse. Mais non. Reviens. Il est en zone E. Attention. Reviens, t'es où? Ah putain, je suis une merde de larve. Attends. Ah ça va être équilibré. Je crois que t'as pas un pouvoir avec des cooldowns où tu peux voir à travers les murs ou un truc comme ça. Non, j'ai que dalle, mec. Je suis une larve. Ok, non, c'est bon. T'inquiète. Ça va aller. Je peux juste me balader. Passage, c'est un mauvais passage. Ah, c'est bon. Je crois que je me transforme. Ouais, je crois que la première forme, on te l'offre. Enfin, ça monte d'elle-même. D'accord. Ah bah voilà, là, je suis celle. Et là, j'ai des pouvoirs et des trucs. Ouais. Ok, donc je peux faire ça, piou-piou. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, je peux faire plein de trucs maintenant. Ah oui, non, mais ça va, je vais vous défoncer. Eh, je vais vous retrouver. Ah, je vois les clés maintenant sur mon dragon radar. Attends, mais t'as un dragon radar? Pourquoi ouais. Moi j'ai pas de dragon radar? Tu peux. Il est où? T'es là, connard! T'es là! T'es où? Reviens! Waouh! Qu'est-ce que je dois faire? Ah ouais, d'accord, il fait ça. Ah, il pète toute la. D'accord. C'est toi qui t'es en train de péter. Une zone en faisant ça. Ah oui, okay. T'as activé ton super Kamehameha ou un truc comme ça. Ouais, bah, j'ai pas fait exprès, hein, mais c'était. C'était carrément chouette. Oh, il a l'air très énervé. Tu diras ça au juge. Voilà. Qui me tire dessus là? Qui c'est qui me tire dessus? Qui ose? Qui ose? C'est toi qui ose! Tiens! Attends, je le vois. Il est fondant là. Ah ouais, oui. Ouais, je défonce un espèce de Yamcha des enfers là. Tiens, je l'ai fumé! Ah là, t'es sur le sol, hein. Calme-toi. Non, c'est... j'aime bien ça. Attends, je le défonce, c'est qui, lui? Ah, salut, toi. Waouh. Je suis bûche, toi, sans moi. Tu me fais pas peur. Tu me fais pas peur. La TP. Tiens. Mais vas-y, mais tire un Kiko, hein, bordel. Waouh. Ça fait mal ou pas? Et ça, ouais. Ça fait mal, ça? Oh là là, putain! Ah là, voilà, monsieur, là! Au secours, oui, Dracoudio, s'il te plaît. Viens. Ah! Tu veux dire qu'il y a un gentil pas loin de toi, en fait? Mais je t'ai achevé! Oh, il streamac, en plus! Mais je t'ai achevé, comment c'est possible? Hop là! Ah bah, je l'ai tué. J'étais pas fini, genre, j'ai fait achever, j'ai relâché trop tôt, c'est ça, le bordel? C'est possible. Ah, j'ai tué celui qui t'a sauvé, en tout cas. Ah, et je passe en selle, niveau deuxième forme. La forme un petit peu plus buff. Non! Reviens! Hop. Reviens, gamin! T'es où? T'es envolé avec ton petit trampoline! habile, Sébastien! Trampoline, exactement! Mais c'était sans compter ma capacité à voler! T'es où? Jamais! Je suis dans le trampoline. C'est stressant de ouf, je t'entends voler en plus, je suis là. Non! Donc je suis au-dessus de toi là! Non! Non, je t'entends, mais de très loin, j'ai une ouïe, mais parfaite. Putain, faites les clés, les gars. Ah, il reste une clé, la clé B, très bien. Il reste une seule clé? Bon, faut que je fasse un truc, et c'est la B, c'est ça que tu dis? J'ai rien dit, moi. Oh, mais celle, normalement, il est pas sur écoute avec la radio tout le monde. C'est ça. Ah, d'accord, on a la finale Time Machine. Ok, mais dans la zone X. C'est quoi X, la finale Time Machine? C'est dans la zone X, bah, c'est le truc qu'il faut activer pour se casser. C'est ça, là? Alors, donc vous allez devoir arriver là, en fait. Non, mais c'est de l'anti-jeu, si tu veux. Écoute, c'est pas de ma faute. Dégage! Dégage toi, dégage! Tu m'énerves, dégage! Toi aussi, dégage! J'ai trouvé un Kaioken pour rien. Allez, ça y est, enfin du DBZ là! Ça, je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas ce que c'est. Je sais pas comment on joue! Je sais pas comment on joue! Dégage! Comment qu'on joue à ce jeu? Non! Tu me tires? Ah là, ça bagarre. Allez, t'as tapé ce sel là, mon sang de bois. Ah merde, je rate tout. Par contre, là, il faut que j'apprenne à jouer le. Oh là là. Mais laisse-moi. Oh, le trou du cul. Je suis au cadavre, je suis au pied. Aïe. Non. Tiens. Mais non, mais je croyais que j'avais une. Mais si, tu vas crever. Allez tous crever. Est-ce qu'on peut le battre, sel, en vrai ou pas? Si, tu peux. Est-ce que... Bah là, il a moitié de barre, hein. Ah oui, ça, il a une barre de vie en haut, j'avais pas vu. Ah, t'es au sol aussi. Ah là là. J'ai une barre de vie, mais je m'en fous. Je m'en fous parce que je suis en train de détruire le bitonio. Parce que je suis sel. Oh putain, y'a le mec qui a tenté. Je t'éclate. Y'a un mec qui a tenté une Hercule Satan là, certes. Ouais. Ça ne marchera pas, les amis. Ça ne marchera pas. J'ai une énorme queue. Dégage. Ah non. Il a gagné. T'es perdu. Alors on est tous au sol. Ah, attends, en même temps, il triche. Hein. Faut le dire.
Mais pourquoi? Il faut le dire. Bah, qu'est-ce que je triche, quoi? Bah, tu triches, hein. T'es sur le Discord, tu nous écoutes, tu triches. Vous êtes jaloux. C'est vrai, vous il a êtes jaloux de ma victoire. Il triche. Franchement, j'ai pas tout compris. Ça va super vite, en fait. D'entraînement. Faudrait qu'il y ait un genre de truc qui t'apprenne le jeu, tu sais, avant que tu joues. Ouais, un tuto, un tutoriel. Ouais, un genre de truc où il y aurait des explications de la part des créateurs du jeu. Mais en fait, là, tu sais, je commence vraiment à comprendre comment ça se passe, et en fait, ça va. Je trouve ça va. Après, je dis pas ça parce que je viens de gagner. Ça joue forcément dans la balance, Yann. Vas-y, attends, j'achète des loots. J'ai acheté des univers, là. Ah, moi aussi, je suis level 4. Ouais. C'est bon, je suis bien. C'est 1 contre combien? C'est 1 contre 7, en fait. Oh, j'ai Yamcha. C'est trop nul. C'est bon. Imagine, tu claques un truc, tu drops Yamcha, la haine, quoi. Ah, il est bien ton vieux samouraï, là. T'as acheté le kimono super cher, là, du coup? Non, il était pas cher. Il était à 200 balles. Ouais, ouais. Il y en a un, il a un look des enfers. Il y a un Broly hyper chelou, là. Il y a un mec avec cheveux verts, hyper bizarre. Ce hippie, ouais, bien sûr. Moi, j'ai pris Bulma. Ah, c'est cool. Je vais pouvoir rouler du cul. Alors, ok. C'est Bardi, c'est Bardouze. Ah, ça tremble. Ouais. Il a pété la zone C, ce gros bâtard. Alors, attends, ça veut dire quoi? Parce que... Oh non, il m'attaque. Quel enculé. Il m'a vu, non. Il me termine à base de... avec de son doigt. De popopo. Je suis dégoûté. Ah, c'est toi qui atterre, ok. Non, mais tant pis. Ah, Majin Bull, si tu peux m'aider. Ah, les arbons ont disparu. T'es où là? Les abons, pas zabons. Je dis pas zarbons. Je dis zarbons. Topinambureux, mais t'es en train de te faire raise là, ok, c'est bon. Ouais, ouais. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Mais... Ah, bah, c'est Freezer qui m'a interrompu à la dernière seconde. Oh là 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 là. Mais donc, je suis dead, du coup, ouais, je suis dead. J'ai pas eu le temps de. Oh là là, putain de merde. Ah, grave, c'est la vie, c'est la vie. J'ai joué sur cette table de fille, il se passe rien. Crève. Ah! Je m'envole et je dépop, je suis décédé. Okay. Non, non! Mais je suis en train de rouler du cul, il veut pas! Oh là là! Pourquoi? Pourquoi il est pas sexuellement attiré par moi? Par ton joli Majin Bull. Vous êtes là, trop mais coop, c'est... vous êtes trop coop là, il nous a tous fumé dans le même. J'ai toujours pas compris, j'ai tapé vraiment sur Freezer, je pense qu'il doit faire le target d'une manière ou d'une autre. Hein. Et moi il me reste 2 secondes, c'est fini, allez ça siffle, ouais. Bisous. Y a pas eu une seule partie où les survivants ont gagné. Mais je crois que ce jeu a un problème d'équilibrage en fait. Moi je trouve qu'ils jouent pas assez avec la nourriture là, les gens qui jouent les méchants. Un vrai méchant de DBZ, c'est juste, il menace, il met la pression, tu vois, enfin... Comme un chat avec un gros cafard. C'est ça. Et oui, c'est personne ça. Ne tente, quoi. C'est trop dommage. Personne ne tente, là. Ils sont tous attirés par la victoire à tout prix. Ça, c'est pas très Freezer, ça. Il y croit à mort, lui. Ah, mais il se barre. Ah ouais, il se barre. Une machine. Oh la gueule. Et du coup, ça a aucun avantage de se barrer. Tu gagnes rien, vraiment rien du tout. Si, en fait, si tu gagnes plus que si tu meurs. C'est ça, ouais, t'as moins de malus. D'accord. Ah, c'est bien, on l'a revu en quatrième forme. Ouais. C'est l'au-delà, certes, mais. Enfin, qui est toujours de très loin sa forme la plus classe, mais vraiment stylé. Full bronze, que de la merde. Je sais pas ce que ça fait une Dragon Ball, je sais pas si c'est utile. Moi non plus. Bah si, on peut invoquer Shenron. Mais je sais pas ce que ça fait, C'est vrai? Putain. Non mais on peut le faire dans le jeu, vous voyez bien que Freezer l'a fait. Ça fait 20 ans que je me pose la question. Mais si, il y a des endroits où il faut poser les 7 boules de cristal en tout cas. Et je pense que si tu les poses à cet endroit-là, bah tu invoques Shenron. Ouais, la question que j'ai, c'est comment tu passes, tu sais, parce que genre on a Sangoku, enfin on a Krillin, puis Piccolo, puis Sangoku. Comment tu passes au niveau 1 et 2, etc. C'est en ramassant les cubes toujours? C'est ça, ouais. En récupérant du pouvoir, ouais. Oh, il y a un mec qui a Citron qui se bat avec lui. Ouais, ouais, c'est bon. Chaud, moi je... J'ai mis la clé dans la zone Z. Je te vois. Il est pas loin. Il est... Ah voilà, t'as vu, ça a pété. Ouais, oh là là. Oh là là, ça a pété. Destruction de zone. C'est très drôle comme il court quand la zone est sur le point de péter. T'as vu, ouais, c'est en mode panique. Ouais. Ah là, je peux acheter une cornette. Bim. Ou alors du ki. On va acheter du ki. Ah, il est pas loin. J'entends la musique. Il est en bas là. Juste à côté de moi. Je suis planqué. Ah, c'est cool quand il tue les ennemis, il y a les vêtements par terre. D'accord. Et tu veux les ramasser et après ils sont à toi? Non. Dommage. Ouais, okay, il y a juste les vêtements par terre. On peut pas payer les corps, tu veux dire? Qu'est-ce qui se passe là? J'ai un radar à clé par contre. J'ai un radar à clé, mais j'ai aussi un méchant pas loin. J'ai deux boules. Loin. Ah, bien. il m'a vu le bâtard. Il m'a vu. Attends, on s'échappe. Sert du pouvoir de Krillin pour me casser. Oh, il m'a foutu au sol, putain, mais je suis trop fragile, ça me casse les couilles. Au secours. Bah, allez. Ah, j'ai 3 boules. Il va me sucer. Faudrait que j'aille consulter. Ah non, mon intégrité. Attends, il faut se sauver la vie. Oui, s'il vous plaît. Ah merde! Non, je me suis fait Ah non! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien! Putain, mon écran, c'était n'importe quoi!
C'était genre rouge, vert, vert, rouge, rouge, vert, et tout explosait. N'importe quoi. Je suis pas très loin de toi, mais j'attends qu'il s'en aille. Ouais, ouais, je me suis fait sucer par parcelle du coup. C'est jamais agréable. Il est presque en forme finale, hein. Attention. Il est fini pour moi. Ah putain, vous êtes plus que deux. Fred, il reste toi et ouais, je sais. Et Survivor en slip. C'est un mec, il est en slip. Et il a pas l'air de savoir du tout ce qu'il fait, mais il a des jolis gants. T'es en Krillin ou en Goku Je sais pas. C'est la même chose, visuellement. Non, je crois que c'est en Krillin. Le problème quand t'as pris un chauve, c'est que... Oui. Ah ouais. Non, non, c'est Krillin parce qu'il a pas de sous-vêtements. Oh là là. Je suis dead. Ah mais j'aime bien. Oh, la décédence. Il va absorber Oolong. Allez hop, un petit... petite côte de porc. Heureusement, il y a Survivor qui se barre. Il se barre direct. Désolé Survivor, mais là tu mon gars. Le système de combat quand t'es transformé, c'est à chier de ouf. Franchement, c'est hyper confus. Ça va trop vite en fait. C'est, ouais. Tu comprends R, il y a pas de système de lock, tu sais pas où tu tires. Enfin, c'est ouais. Ouais, 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 t'as, tout à fait. L'absence de lock, c'est vraiment abusé, ouais. Quoi. Tu comprends rien à ce qui se passe. Ah, c'est automatique un jeu le lock. PlayStation 1, l'absence de lock, quoi. Mais c'est vrai qu'avec un lock, avec la caméra qui suit le personnage que tu vises, ça pouvait déjà être plus sympa. Après, quand t'es un méchant, c'est peut-être trop facile, mais du coup, le méchant devrait pas avoir de lock, et au moins les gentils devraient l'avoir. Oui, oui, oui. Je sais pas. Mais c'est vrai que l'absence de lock, là, quand je me suis transformé, pourtant j'étais en Goku. J'ai transformé en Goku. Et j'ai rien compris. J'ai juste rien compris en fait. Ah, Bulma, okay. Elle a une compétence, une pose séduisante. Ouais, ouais, c'est elle a remis son cul. Ah, c'est, non, mais c'est le Majin Bull. C'est genre, j'en parle tout à l'heure. Ah, mais je veux trop faire ça, moi. Ah, il y a deux cochons. Il y a pas Bou. Il y a deux porcs. Ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas Bou. Moi, j'aime bien l'arc Bou. Je le déteste pas. Mais moi, je pense qu'il devrait même se permettre de mettre les méchants des OAV. Ce serait cool. Bah, évidemment. Oui, mais tu sais que, genre, il y a deux ans, Broly, enfin, Toriyama, il savait pas qui c'était Broly. C'est pas vrai. Si, 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 il avait dit, enfin, il était en mode genre, ah, les gens ils aiment ça, je savais pas. Fin... C'est fou. Il s'en bat les couilles, mais Toriyama, c'est pas lui qui l'a créé, je crois, Broly. Oui, c'est pas lui qui l'a créé déjà, mais surtout, il s'en fout. Quand on lui avait fait remarquer, attendez, les puissances, ça veut rien dire, il dit, oh, on s'en fiche. Et c'est pareil, et ça c'est vrai, il y avait une anecdote comme quoi il avait oublié le personnage de Lunch. Ah, c'est un truc de ouf. Ah ouais, il sent pas la race, quoi. Mais Trunks ouais, aussi, hein, s'il a les cheveux bleus sur Super, c'est parce qu'il a oublié. Il avait oublié qu'il avait les cheveux mauves. Ah. Et du coup, c'est des gens qui lui ont fait remarquer, mais attendez, Yotan Chien, elle est où, Lunch? Elle était censée être en couple avec lui et tout. Il a fait, oh, mais j'oublie. Il s'en fout, c'est dit, il s'en bat les couilles. Ouais, c'est pour ça, moi, la caution Toriyama partout, je veux dire, ça veut plus rien dire. Mais comment ça, il y avait des moments à partir de l'arc, quand même. Oh, ah, mais one shot! Ah bah oui, one shot, ah, déjà, c'est Freezer, oui. Mec. Il te one shot même petit quand cochon. T'es une planète. Et là, t'es un cochon, quoi. Je comprends pas, j'étais un pot de fleurs dans une caverne, et il a deviné. Ah, mais elle est trop bien, la meule à Bulma, là. C'est toi, là? Oui, c'est moi. Bah oui, le cochon par terre, oui, c'est moi, ouais. Je crois que je finisse la collection. J'avais commencé à racheter la nouvelle collection, la Perfect Edition. Je m'étais arrêté au moment de Tenshin Han, parce que c'est quand même un peu cher, quoi. C'est pas que je continue à l'acheter. Merci. Ça sent le bacon. le cochon dans le maïs. C'est effectivement... Ah merde, j'ai fait n'importe quoi. Ah putain. Comment? C'est chaud. Là, je vois qu'il te poursuit. Ça va être compliqué. Cache-toi, cache ton cul. Mais... je twerk en étant Goku. Ça n'a aucun sens. Allez, Armand Lou. Tu connais le Saiyan légendaire? Le saillant. Le slip saillant. Ah, oh, je me suis enfui, mais comme un lâche, hein, c'était beau. Yes. Attention, il y a un méchant qui arrive. Bon, c'est pas sur vous. Oh, quoique, il est pas loin de nous. Ouais. Je suis transformé en statue de Hercule Satan, mais genre au milieu de la forêt. Truc qui est pas louche du tout. Ah, ils sont en train de le taper, c'est bien, ils perdent de l'énergie, c'est bon ça. Waouh. Ça va péter. Non, c'est là que ça va péter. Dans la mauvaise zone, ouais, je suis là. Non, c'est là, c'est là. Je suis debout. Ok, donc en tout cas, la zone A s'est passée. Ça me fait peur, non! Je savais qu'il allait m'avoir. Je trouve une caverne. Non! C'est bon, il m'a défoncé. Il reste la clé de Z. Et c'est bon, en fait, c'est tout. Hein. Et c'est bon, la clé a été trouvée, il suffit d'aller là, au rayon D. C'est bon, il vient de le faire, ouais. Et du coup, bah, j'y suis. D. Attends, bah, j'y vais. C'est bon, la navette arrive. Non, c'est bon, le D, il est mis, là. Maintenant, faut aller au centre. Faut m'aider à pirater, il va venir. Il se rapproche, vite. Je suis dans le système, je suis connecté sur le Pentagone. Je suis dedans. Je suis dedans, I'm in. Seb, c'est le hacker solitaire, quoi. J'arrive, je suis en route.
parce que personne n'a envie de t'aider visiblement. Ouais, faites la bagarre avec lui. Je dois faire quoi? Je dois aller où? Tu fais ce que tu veux, mais soit tu aides Seb, soit tu distrais Freezer. Ouais, distrais-le parce j'arrive, qu'il y a quelqu'un, je crois qu'il y a quelqu'un qui est mort là, il y a Prime qui est mort. Ah, aussi. Il est dans, oui, dans sa forme finale. Ah, je suis à la moitié, nom d'une pipe. Ah, il nous tire dessus! Barre-toi, Seb, barre-toi! Twerk! Twerk comme un cochon! Trampoline! Attends, mais j'ai trouvé le loot là! Ça fait quoi? Ça fait plein de key! Ah yes! Give me the loot! Il est en train de péter le système de machine temporelle! Il est où le key? Ah non! Non! Le twerkage du cul, la TP, là je suis Goku! Mais merde! Allez! Faut que je vienne t'aider, c'est ça? Non, je suis Krillin! Je suis niveau 3, donc je suis Krillin, évidemment! C'est pas grave, faut faire quelque chose de cool là, faut... Allez, rejoignez Seb! Ah non, je suis à terre, ouais, au secours! Il est à terre, il reste un tiers de la machine temporelle, mais là il est en train de la casser ce bâtard! Ah là là là! Fred! Et comment on fait là pour... Ah, faut aller, rejoins-le! Ah, c'est le décès, oh là là! Mais tu faisais quoi? Bah, il était en train de looter des trucs! Non, j'étais en train de looter quelqu'un, merde! Je t'ai vu! Mais j'arrive pas à taper! Ça non, casse mais tu les peux couilles! Pas le prendre en un contre un! En fait, il faut... c'est pour ça, à la fin, il faut être plein! Et il y en a qui le. Ouais, il faut l'attirer! Voilà, c'est ça. Bah, vous êtes tous morts, et est-ce que Prime? Prime qui sent pas les steaks! Non, je l'ai reste. C'est pour ça que j'étais en retard, c'est parce que moi j'ai reste quelqu'un, je suis le médic. La machine est pétée. Ouais, je crois qu'il y a une alternative, je crois que c'est Trunks qui doit arriver pour venir sauver les derniers mecs. D'accord. Ah bah, bravo! Ça valait bien la peine de se faire casser les couilles. Ah, c'est terrible! C'est terrible parce qu'on a, là on était pas loin là. Bah peut-être la prochaine. Hein. Je pense la prochaine ça va être la dernière. En vrai, on a le temps d'en faire une dernière, je pense. Au max, vous pouvez juste le distraire. Mais oui, c'est ça. Mais du coup, il faut là c'est très dur hein, comme jeu. C'est vraiment un jeu très très difficile quoi. Ouais, mais ça veut dire qu'on joue constamment avec 4 autres personnes. Ah, je suis seul. Ah ben voilà. Voilà. Tu vas t'amuser. Tu vas lâcher encore Bulma. Tu l'as dit avec un fond de dépit. Tu vas t'amuser, tu vas pouvoir gagner. Je voulais le sel, moi. moi je suis sel, toi t'as le sel. Alors c'est quoi les boutons? C'est écrit. Vraiment, c'est écrit. Faut en profiter, Karim, faut en profiter. ne l'aide pas. Mais non, moi c'est pas écrit. Ah, c'est bon. Tu vois, là c'était hyper cool parce que quelqu'un a trouvé la clé alors que j'étais juste à côté de la serrure. Parce que là je suis un criquet, mais. T'es une petite merde, hein, tu vois le truc. Quand tu commences avec Excel, c'est assez pathétique parce que tu peux vraiment pas faire grand chose. J'ai mangé un cochon. Les Dragon Ball aussi, c'est frustrant parce que pour invoquer Shenron, putain, c'est le diplôme quoi. Enfin. Ah, ok, d'accord, d'accord, j'ai compris. Tout a l'air hyper long en fait quand t'es sur Yvan. Alors, je trouve pas le bouton pour tonte. Attends, mais j'ai pas envie de détruire la zone. Ah, je peux? Ah, mais à quoi ça sert? Allez, cassos. La zone B, tu détruis? Ok. Bon, je sais pas. La première qui me passe, tu détruis la zone C là, t'es en train de détruire la zone C. Bon, ouais. Ah. Et... Toujours en forme 1. Si seulement. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des boutons pour tenter, effectivement. Y'en a un, hein, c'est sûr. Hein. C'est après, je sais pas, c'est ça qui me disait. Mais... Ah, c'est un truc qui m'a marqué, donc s'ils l'ont viré, c'est vraiment une idée de merde. C'est select ou je sais pas ou j'en sais pas. Ah mais tout est looté dans tout. Looté. C'est quoi la recharge, je vais la prendre quand même. Okay. Du coup, ah zone A, la zone A c'est fait, ok, il est mort du coup. Ah mais on a 3 morts. Ouais, c'est un peu chaud. Mais c'est déséquilibré de ouf. On est d'accord, hein, c'est parce vraiment. Parce que là, dur. Moi, je connais rien du tout, je fais n'importe quoi. Ouais, moi, je veux bien que j'appuie sur génie, les boutons au hasard. Là, c'est pas qu'on est nul, quoi, parce que. Enfin, ouais, non, c'est vraiment dur. Hein, c'est vraiment dur. Putain. Alors, par contre, il n'y a pas le bouton de tente. J'ai trouvé plein d'autres boutons, mais pas celui-là. La clé E, on l'a pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais merde, il fait péter une zone. C'est laquelle que tu fais péter? Je réfléchis pas. Ok. C'est la C, regarde si t'appuies sur... Ah c'est la C? D'accord, ouais. Ah bah c'est la C. Ok. Ah non, c'est la A, pardon. La C avait déjà pété, c'est la A qui est, ouais voilà. Il ne reste plus que la E et la D. Ah non. Mais c'est impossible. Ah, c'est hyper chaud quoi. Ah non. Cocoda. Ah non, il a pas survécu. Tu m'as excité sexuellement. Ah yes, un Goku hein. Donc il y a un problème hein. Il y a un énorme problème. T'es encore en vie Seb? Ouais. Ah merveilleux. Grâce au pouvoir de mon cul. Attends.
Mais non. Ah, j'ai pris une rafale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh putain, mais sérieux. Il fait n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, mais quel enfer. Je voulais voir si je pouvais t'humilier, mais on peut pas, je suis obligé de te tuer vite. Oh là là, mais je me suis détransformé, je suis mort instant, j'ai pas compris. Ouais, les transformations elles durent pas assez longtemps, je trouve. C'est fini pour moi. Non, mais de toute façon, c'est mort. Je suis tout seul, donc ça ne sert à rien du tout. Donc je vais juste faire ça comme un vieux lâche. Non, reste là. Mais c'est pas possible, joue avec moi. Si je suis tout seul. Mais non, parce que là ça sert vraiment à rien. Parce que du coup, même si j'arrive à débloquer toutes les clés en te feintant un petit peu, je pourrais jamais avoir le truc du centre. Donc c'est évidemment perdu, quoi. Par contre, c'est rigolo ça. Allez, voilà, tu as pu prendre la fille, ça aurait été ma victoire de la soirée. Tout de suite. Voilà. Voilà, voilà. Ah, j'ai même pas eu l'opportunité, moi, de fuir. J'ai même pas eu droit à ça. Avec ses grosses lèvres, là. I'm a fame, Elijah. Ah, je suis salu. Ah, cool. Eh ben voilà, ça y est, enfin. On aura tous été enfin le fun. Par contre, tu vois, j'ai pas trouvé la touche de tonte, vraiment. Avec ses yeux rouges dégueulasses. On peut manger l'équidam ou pas? Bien sûr. Ah, oh, c'est trop bien. L'équidam? Ah oui, ça. J'ai pas fait gaffe à ça, mais. Ça serait logique, effectivement. Je m'incruste partout. Tranquille, grosse merde. Je m'incruste dans les doigts de pied, dans les. Attends, on est sur le même jeu? Mycose. Mycose, mycose. Voilà. Enfoiré, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, pourriture. Il est où, le gentil? Un autre problème aussi, c'est qu'en fait, c'est que les survivants meurent trop vite. Il faudrait nous laisser quelques secondes de plus de survie, je pense. Oh là là, ça va détruire la zone. Quel enfoiré. Francky Vincent, le restaurant, putain. Mais qu'est-ce qu'il y a, toi? Oh, quel idiot. Ok, bien joué. C'est vraiment parce que j'ai appuyé sur un mauvais bouton sans faire exprès. Toi, tu t'es transformé en crinin aussi? Ouais, je vais le faire. On l'a fait au même moment. Tu l'as fait aussi? On l'a fait au même moment, ouais. Est-ce que je peux te teabag, non? Ah, tu vois, toi aussi, hein, tu cherches ça. Mais bien sûr. Bah, évidemment. Où est le fun? Alors on dit les combats ont vraiment pas l'air ouf, ça dure 2 secondes, tout le contraire de Dragon Ball. Ouais, mais ceci étant, là, c'est vraiment des humains qu'on joue contre. Oui, voilà. En même temps, celle contre Oulong dans le manga. Oui, ça dure 2 secondes aussi. Et d'ailleurs, l'idée est super. L'idée, pour le coup, le fond du truc... Oui, le fond de l'idée est très très bien. C'est super. L'exécution, il y a encore du boulot. Oh, qu'est-ce que t'es puissant quand t'es seul, c'est ouais. Abusé. Par contre, c'est hyper jouissif quand t'es un méchant, quoi. Parce que là, pour le coup, même oui, mais c'est trop rapide. Tu devrais pouvoir jouer avec tes proies un petit peu, les écraser, les torturer, les... Enfin, revenons en jeu, mais... Ouais, moi, comme Krillin, tu sais, quand t'es en forme 2, tu sais, planté sur la corne et remué comme ça. Oui, bah oui. Ouais. Oui, oui. Viens le chercher. Ouais, tu devrais pouvoir humilier davantage, parce que c'est ça qui est jouissif. L'humiliation, bien sûr. Comme dans tous les jeux. Bien sûr. Y compris celui de la vie, y compris le grand jeu de la vie. Oui, bien sûr. Ça sert à rien, si tu peux pas humilier tes adversaires, bah les couilles. À quoi bon vivre? C'est tout le principe du T-Bug. Oh putain. Fred, c'est n'importe quoi. C'est vraiment mais n'importe quoi. Putain, mais je vais pas y arriver, moi. Un autre jeu. Ouais, après, c'est hyper cool, hein. C'est hyper cool à regarder, mais... Mais t'es pas dans la partie, quoi. Non, mais il fait des trucs. Ok. Je croise personne. Par contre, il y en a un de vénère, là, qui se bat bien. Je sais pas qui c'est, mais... C'est clairement pas l'un de nous deux. Ça, je peux te dire que c'est pas Fred. D'accord, il m'a fait mort, quoi. Mais je cherche où je dois aller, je sais pas. Mais si tu sais, tu vois bien ce qui se passe, là. Mais là, je vois bien que la zone X, il faut la prendre, mais je sais pas où c'est, moi. Tu fais la même chose que la dernière fois, mais suis tes potes, au lieu de la jouer solo, là. Tu ne serviras à rien, tes loots en enfer. Ah ouais, il y a ça. Oh là. Ah, c'est bien, c'est bien. Oh là là, les deux. C'est bien, les gars, c'est bien, les gars. Calmez-vous, hein. Qu'est-ce que c'est que cette... On va se calmer, là. Putain, si le troisième y jouait, ça gagnait, ça. Oh, ça gagne. Attends, ça gagne. Ça gagne. Oh non. Ah. Ça va, Sam, il aura pu finir sa partie, mais c'est le seul méchant qui aura perdu. Qui aura perdu. Moralité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le jeu est déséquilibré, sauf contre Seb. Sauf quand c'est Seb qui joue. Mais vous avez rien foutu, putain. Non, c'est pas vrai. Fred, il a joué. Moi, je me suis fait niquer, mais Fred, il a joué. Il a fait la célèbre technique
de la chaise, de la chaise de bureau. J'ai été une chaise qui roule dans une pente. Il a pendant très longtemps été une chaise de bureau. Okay. Eh ben, je suis content parce que du coup, on aura vu une victoire des survivants. Voilà. Je suis dégoûté, mais putain. Mais non, mais non. Ne faut pas être dégoûté. Est-ce que ça veut dire que t'as perdu toutes tes parties? Oui, quasiment, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je suis très content. Content de vous avoir invité sur ce jeu. Voilà, ça me fait grand plaisir. C'est parce que ça vient de toi à la base. C'est un plaisir. Les gars, il y a Dragon Ball Breakers, vous pouvez jouer. C'est un plaisir. Mais putain, j'étais en train de le transformer sur la fin en plus. Non, là, c'est de la merde. J'avais le dernier gars en plus. Ah, on est prêt pour l'OP. On vous adore. Ouais, c'est bon. Ouais. N'hésitez pas. Bon, mais c'est fini. Des bisous, hein, des bisous. Terminado. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine pour d'autres vidéos sur le bazar du grenier. Salut à tous. Ciao.